Shravanabhagola est un important lieu de pèlerinage au Karnataka, depuis plus de 1000 ans, puisque la plus grande statue monolithique du monde, celle de Gamateshvara, aussi connue sous le nom de Bagbali, fut construite par le roi Ganga Chamundaraya entre 978 et 993. Cette statue est remarquable, tant d'un point de vue esthétique que technique. Cette statue monolithique mesure plus de 17 mètres de haut, mais se mérite. Pour y accéder, il faut gravir près de 700 marches, pieds nus, puisque l'escalier fait partie du sanctuaire, et pour peu qu'il pleuve, comme c'est souvent le cas à la saison de la mousson, l'ascension et la redescente sont pour le moins sportives. À mi-chemin vers le sommet de la colline où trône l'imposante statue de Gomateshvara se trouve le temple Udgal Basadi, temple du XIVe siècle, sans décorations extérieures, abritant les statues de quelques Tirthankaras. Puis, enfin un dernier temple avant d'arriver à la statue, le temple Sri Bharateswara. Au sommet de la colline, se dresse l'immense statue de Gomateshvara, une icône monumentale qui transcende les temples environnants bâtis sur la colline. Pour les Jains, ce n'est pas tant les temples, mais précisément cette statue imposante, qui est au cœur de leur dévotion, et qui constitue une destination de pèlerinage d'une importance capitale. Un mandapa, sorte de galerie ouverte où les fidèles peuvent accomplir cérémonies et rituels, enserre la cour principale. Ce mandapa accueille aussi des alcôves renfermant la statue de plusieurs Tirthankaras.
Shravanabelagola est une des villes saintes du jaïnisme, en particulier depuis que le roi Chandragupta Maurya fit ériger la statue géante de Gomateshvara, à la fin du premier millénaire. Cela explique la présence d'autres temples jaïns dans cette ville du Karnataka, entre autres Sri Bandara Basali, temple nettement plus modeste, mais qui est réputé pour la qualité de ses fresques.